Le cascadeur Pierre Arnaud souhaite sauter avec sa voiture de sport au-dessus d'un fleuve de 30 mètres de largeur. La différence des hauteurs des rives est de 12 mètres. Question. Avec quelle vitesse minimale Pierre Arnaud devrait-il tenter le saut? Voici les données. Nous savons que cette hauteur H est égale à 12 mètres et que cette distance R est égale à 30 mètres. Ce qui est demandé, c'est la vitesse initiale V0 que nous exprimerons en mètres par seconde. Pour répondre à la question, nous choisissons un système de référence, par exemple comme ceci. L'origine se trouve en ce point-là. L'axe des X est horizontal, orienté vers la droite, unité 1 mètre. L'axe des Y est vertical, orienté vers le haut, unité 1 mètre. Nous avons ce mouvement de la voiture représenté par ce point matériel. À chaque instant, ce point matériel est soumis à sa force de pesanteur qui est parallèle à l'axe des Y. Donc, il n'y a pas de force horizontale qui agit sur ce point matériel et par conséquent, le mouvement de ce point sur l'axe des X est, selon la loi d'inertie, un mouvement rectiligne uniforme. MRU, pour lequel la vitesse constante VX est justement cette vitesse initiale V0 que nous cherchons, et la distance parcourue X est égale à cette vitesse constante fois le temps. Ce point matériel étant soumis à sa force de pesanteur qui est parallèle à l'axe des Y, le mouvement de ce point le long de l'axe des Y doit être, d'après la loi fondamentale de la dynamique, un MRUA, un mouvement rectiligne uniformément accéléré, pour lequel nous avons la vitesse de ce point, donc V indice Y est égal à moins VT, et la position Y est égale à cette hauteur h moins gt carré divisé par 2. Ces deux signes moins sont dus au fait que l'accélération de pesanteur est orientée vers le bas, alors que l'axe des Y est orienté vers le haut. Nous nous concentrons sur ce point d'atterrissage. D'abord, sur l'axe des Y. L'ordonnée de ce point est nulle. Mais l'ordonnée sur l'axe des Y vérifie aussi cette équation-là. Donc, pour ce point-là, nous avons Y est égal à 0 et Y est égal à cette différence. Donc, dans cette deuxième formule, nous remplaçons Y par 0, c'est ainsi que nous obtenons que GT au carré divisé par 2 doit être égal à H, ou encore le temps T de cette chute est égal à la racine carrée de 2 fois H divisé par G. Nous remplaçons le H par 12 et le G par 9,81. C'est ainsi que nous trouvons que le temps de cette chute de la voiture vaut à peu près 1,56 secondes. Donc, le temps de ce mouvement est de 1,56 secondes. Maintenant, nous nous concentrons sur l'axe des X. Sur l'axe des X, nous avons x est égal à v0 fois t,
Et pour ce point-là, nous avons x est égal à r. Nous en déduisons que V0, grandeur que nous cherchons, est égal à R divisé par T. Le R vaut 30 mètres et le T vaut 1,56 secondes. Et c'est ainsi que nous trouvons que la vitesse initiale vaut à peu près 19,2 mètres par seconde. Ici, on demande avec quelle vitesse minimale Pierre Arnaud devrait-il tenter le saut. Donc ici, nous arrondissons vers le haut et nous proposons à Pierre Arnaud de tenter le saut avec une vitesse initiale qui est plus grande ou égale à 20 mètres par seconde.